en l'espace de 2 mois depuis le 20 janvier dernier pour témoigner du renforcement des relations entre Taïwan et Fufulupu, Haïti. Dans le passé, notre collaboration avec le Fufulupu, Haïti était focalisée sur des actions caritatives et humanitaires. Mais avec ce nouveau partenariat, cette relation entre dans une nouvelle ère qui est celle de la production agricole. Je voudrais souligner que la convention de partenariat dans la production agricole a déjà été signée en juillet 2021. Mais en raison des événements survenus indépendamment de notre volonté, nous en faisons l'annonce aujourd'hui. C'est ainsi, non seulement nous allons continuer à soutenir les actions d'aide alimentaire de Fufulupu avec le don de riz taïwanais, mais dans le cadre de ce nouveau partenariat, nous avons aussi commencé à aider les producteurs de riz haïtien du département du Sud à produire et vendre leur production. Et pour votre information, nous avons également trouvé des acheteurs, des partenaires qualifiés qui sont prêts pour signer un accord de long terme à travers cet partenariat. Et nous savons tous que l'insécurité alimentaire en Haïti est un problème de grande ampleur et nous sommes ravis que Fufulupu Haïti travaille sans relâche à trouver de nouvelles pistes pour aider les couches sociales les plus défavorisées en Haïti. Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Taïwan et de Fufulupu Haïti, d'innombrables familles vont pouvoir améliorer leur quotidien et en bénéficier pour un avenir meilleur. Les relations de Fufulupu avec Taïwan remontent déjà à plusieurs années. Et depuis 2008, nous recevons chaque année une partie substantielle de leurs réserves stratégiques de riz qu'à la fin de leur saison cyclonique, le peuple taïwanais partage généreusement avec nous. En effet, l'année passée, nous avons reçu 8800 tonnes métriques de riz qui se sont ajoutées à nos ressources existantes pour nous permettre de nourrir entre 75 000 et 120 000 personnes par jour, 6 jours par semaine, 52 semaines par an. Fufulupu, cependant, est plus qu'un programme alimentaire, bien plus. Fufulupu est une institution caritative chrétienne qui vise à transformer l'homme haïtien et à lui permettre de vivre et de pourvoir dignement aux besoins de sa famille et de sa communauté. Fufulupu est un instrument de Dieu pour assister et raffermir tous ceux qui sont matériellement et spirituellement pauvres. Notre ministère est le reflet de l'amour inconditionnel du Christ, un amour qui renonce à tout, qui inspire la confiance et la foi, et qui embrasse tout le monde, sans distinction de sexe, de race, de statut ou de croyance. Nous agissons ainsi dans tout ce que nous faisons avec cette conviction profonde que le Christ est vivant et qu'il est bel et bien là dans tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous sommes une institution caritative chrétienne qui, depuis une trentaine d'années, bon gré mal gré, construit entre 650 et 2000 maisons par an. Des maisons que nous avons remises gratuitement avec leur titre de propriété à certaines des familles les plus vulnérables du pays. Nous sommes un outil de développement aussi, qui a construit plus de 42 villages de pêche auxquels nous avons confié des bateaux et du matériel. En 20 ans, nous avons foré plus d'un million de puits artésiens et avons installé une centaine d'unités de traitement d'eau qui produisent chaque jour plus d'un million de gallons d'eau potable à travers le pays. Nous construisons des écoles, des cliniques et des centres communautaires. En 2021, malgré les difficultés que nous connaissons tous, nous avons pu inaugurer notre 12e centre régional de distribution au Cap-Haïtien. Fufulupu est aussi impliqué dans le domaine de la santé, domaine auquel la majorité des habitants du pays, particulièrement ceux vivant en milieu rural, n'a pas accès. En plus de notre propre clinique installée sur ce site, nous aidons à supporter les frais de financement et les frais de construction et d'aménagement d'autres centres médicaux à travers le pays.
Nous travaillons activement avec 32 orphelinats du réseau des Anges de l'Espoir et supportons 1125 enfants qui y reçoivent un abri, une formation et de l'amour. Nous croyons fermement que la manière la plus intelligente de briser le cycle vicieux de la misère est d'investir dans l'éducation. Et nous nous efforçons, en plus de construire des écoles, de leur fournir des ordinateurs, du matériel didactique, des livres, des uniformes et du mobilier scolaire. Nous sommes impliqués dans l'élevage, l'agriculture, l'aquaculture, l'apiculture, la production de miel et le reboisement. Nous cherchons tous les jours à substituer ce que nous importons comme nourriture pour nos bénéficiaires par de la nourriture produite localement. Et nous tentons envers et contre tout de convertir notre action d'assistanat en ouvrage de développement. En ce sens, Monsieur l'Ambassadeur, nous tenons à remercier le peuple taïwanais et l'encourager à persévérer dans sa solidarité agissante. Dans un passé récent, Taïwan aidait les planteurs de riz de l'Artibonite. Aujourd'hui, ce sont les planteurs de riz de la plaine de Torbeck. Hier encore, ils familiarisaient les habitants de Marmelade à la production et à l'exploitation commerciale de bambou. Aujourd'hui, nous concrétisons un protocole d'accord qui va permettre à notre ferme expérimentale à Santo, une ferme que nous appelons Laudato Si, donc une ferme qui reflète la dernière encyclique du pape sur la protection de l'environnement et le réchauffement climatique. Nous allons donc permettre à cette ferme d'offrir une assistance technique et de la formation à des producteurs locaux de riz. Une formation qui va leur permettre d'augmenter leur rendement de 50% sur 2 ans, de réduire la dépendance alimentaire du pays.